Tous les matins, il achetait ses petits pains au chocolat. Yeah, 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 yeah. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Yeah, 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 yeah. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Il vivait dans un monde flou où les nuages volent bas. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle que le destin lui amenait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Mais la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des papas. Dans la boulangerie en fait, un soir on les maria. Tout en blanc, qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sonnait un tas de petits gosses, myopes comme papa. Gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. Prenez à vous, vous êtes prêts? Encore une fois. Bravo. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire que la vie est très bien faite, il suffit de si peu. D'une simple paire de lunettes pour rapprocher deux êtres et pour qu'ils soient heureux. À vous! Oh, et plus fort! À vous! Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des papas. Dans la boulangerie en fait, un soir on les maria. Super la trompette, hein.